Lui qui est fondamental. Accueilli ce jeudi au rythme des chants religieux traditionnels, le pape François a invité la jeunesse congolaise à être acteur de l'avenir de la République démocratique du Congo en les exhortant à éviter la corruption. Plus de 65 000 personnes, selon les organisateurs, se sont rassemblées au stade des martyrs de Kinshasa, avides de messages de paix. Tout ça est indispensable. Vous êtes indispensable et responsable de votre Église et de votre pays. Vous faites partie d'une histoire plus grande qui vous appelle à jouer un rôle actif en tant que bâtisseur de la communion, champion de la fraternité, rêveur indomptable d'un monde plus uni. Très attendue, cette visite, entourée d'une immense ferveur, a été marquée mercredi par un discours poignant du souverain pontife, dénonçant un colonialisme économique asservissant en Afrique.